Notre service, c'est une nouvelle direction qui vient d'être créée, qui est chargée principalement des relations entre communautés et sociétés minières, d'une part, et entre sociétés minières, communautés et administration, d'autre part, et également du volet contenu local, qui est le volet le plus lourd, qui se focalise principalement sur la promotion de l'emploi local et la promotion disons, des entreprises locales. Le défi majeur, c'est l'adhésion d'abord des sociétés minières, des compagnies minières à cette stratégie-là. Ensuite, nous avons l'autre côté, côté des communautés ou des populations nous sommes censés défendre. Alors, le défi de la communication. Il y a un déficit de communication sur les dispositions de la loi minière qui font allusion à tous les aspects qui sont liés aux communautés. Nous sommes bien sûr en collaboration avec des partenaires, en train d'étudier des voies et moyens pour pouvoir parvenir au moins à relever ces défis auxquels nous sommes confrontés. L'espoir, c'est que la mise en œuvre va permettre aux communautés, surtout vivant dans les sites miniers, de bénéficier des retombées positives de l'exploitation des mines en Guinée.